passe en Haute-Savoie où vous habitez, c'est quelque chose de spécial pour vous? Ouais, forcément. En plus, on reste longtemps en Haute-Savoie. Autant l'année dernière, on a fait un petit passage éclair, mais là, on a presque une semaine à côté de la maison. Donc, c'est génial, en fait, parce qu'il y a plein de monde qui vient pour m'encourager, les amis, la famille. Donc, c'est particulier. Justement, vos proches, vous avez pu les voir assez régulièrement? Ouais, que ce soit sur les départs, les arrivées. On est même passé, on a dormi à l'hôtel de mon père à Fyndrol. Et puis là, aujourd'hui, il y en a qui viennent un petit peu. Et puis, je l'ai vu tout sur le parcours hier, avant-hier. Et ça, c'est vraiment top. On sait que vous êtes quelqu'un qui vivait à fond. On vous a vu avec les images parfois de Bob à l'arrivée sous le casque. Certains de vos coéquipiers disent que vous êtes un peu, pas fou, mais dans ce style. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Bon, je pense que ouais, je suis peut-être un petit peu excentrique par rapport à certains. Mais voilà, j'aime m'amuser, j'aime déconner. Et, tu vois, hier, j'ai un copain, il m'a passé un morceau de Tom dans les Aravis. Je l'ai mangé direct, ça m'a fait du bien, quoi. Donc, après, je pense que c'est que je me prends pas la tête. Et voilà, j'ai quand même mes objectifs sportifs et je fais le job à fond. Mais je pense que voilà, je suis pas un grand stressé et c'est pour ça aussi que j'arrive à déconner à côté. Hier, vers Mur, pas loin, il y avait une pancarte à votre effigie. Est-ce que vous l'avez eue? Ben non, je ne l'ai pas vue, mais bon, je pense qu'on me la montrera quand je rentrerai à la maison. Oui, il y avait marqué, c'était sympa, c'est des initiatives comme ça qui sont permis quand on court chez soi. Ben, c'est vrai que c'est chouette, c'était l'an passé aussi à Antilly-sur-l'Aymance, c'est le village où j'ai grandi, ils avaient fait une grande banderole, et c'est super sympa, c'est un joli clin d'œil, et puis c'est presque ouais, un peu une reconnaissance qui fait plaisir. Demain, contre la montre, entre Passy et Omlou, c'est un exercice que vous appréciez, le contre la montre? Alors c'est un exercice que je ne travaille pas du tout. C'est un des axes dans le futur, je pense qu'il faudra que je m'y attelle. Mais là, ça va, il y a quelques montées, donc les montées, ça j'aime bien. Après, sur le vélo de chrono, j'aime un peu moins, mais voilà, on va faire avec. Je pense que, de toute façon, mon but, c'est pas de faire le meilleur chrono possible, parce que je ne joue pas le classement général. Ça va plutôt être de retrouver un petit peu des sensations pour l'étape de mercredi qui s'annonce assez corsée. Vous attendez un bas de foule, notamment dans la côte de Domancy? Ouais, je crois que j'ai quelques copains, ils m'ont dit qu'ils allaient être là-bas, donc il va y avoir du bruit et de l'ambiance, ça c'est sûr. Vous êtes le seul Français à avoir gagné pour l'instant sur ce tour. Quelle émotion est-ce que vous avez ressentie après la victoire? C'était à Bayonne? C'était à Saint-Sébastien. Ouais, la victoire c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et depuis, c'est vrai que j'ai énormément de retours, énormément d'encouragement de beaucoup de monde, même des gens que je ne connaissais pas. Et je pense que c'est vrai que d'être encore le seul Français pour le moment, j'espère que c'est que pour le moment, à avoir gagné sur ce tour, je pense que c'est quelque chose de particulier pour les gens et forcément, du coup, ils retiennent beaucoup plus mon nom. Quels sont les objectifs maintenant pour la dernière semaine de course? Là, la dernière semaine, mercredi, ça va être vraiment dur, une grosse étape de montagne. Là, j'étais pas du tout à mon niveau habituel en montagne le week-end dernier, donc j'espère pouvoir un peu épauler Guillaume, parce que c'est vrai qu'à la base, j'étais venu pour ça sur ce tour, épauler Guillaume en montagne, donc ce serait chouette. Et après, il y a encore deux étapes, je pense que ça va être plutôt sprint, mais ça peut rouler très vite et peut-être en échapper, on verra. Mais surtout l'étape du Ballon d'Alsace, normalement c'est une étape qui me convient un petit peu mieux en tracé, mais on sait que ça va rouler à fond, donc faudra voir, surtout avec la récupération, c'est la troisième semaine, c'est très compliqué, Déjà, objectif d'arriver à Paris, ça c'est sûr, mais surtout, j'espère avec des bonnes jambes pour pouvoir encore en profiter un petit peu. D'un point de vue de la météo, la chaleur est fortement présente sur ce tour, on le sait notamment la deuxième semaine, elle était très présente. Comment est-ce que vous gérez cette condition? Ouais, c'est vrai que les étapes vers Clermont, là, on a eu vraiment très chaud. Là, c'était un petit peu mieux dans les Alpes, hier encore un peu chaud, mais franchement, ça allait. Disons qu'en fait, on a la chance, on a beaucoup de staff sur le bord des routes pour nous donner des bidons, que ce soit des bidons d'eau pour s'arroser ou des bidons avec de la poudre énergétique pour boire. Il faut boire beaucoup, peut-être au moins plus d'un litre par heure, quoi. Et après, on essaie aussi de trouver des glaçons qu'on met dans des petites poches pour mettre dans le dos, en fait, pour nous rafraîchir. Ok, merci Victor. Voilà. Ouais, merci. Merci. Ouais.